Dieu, viens à mon aide. Du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et conçut Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi 23 septembre où nous faisons mémoire de Saint Padre Pio, lu par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Potor de la Société des Missions Africaines. Thank you.
Lecture du livre du prophète Agée, chapitre 1er, versets 1 à 8. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agée, le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer. Et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 149. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithares, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qui proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, versets 7 à 9. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, la première lecture de ce jour questionne notre priorité dans la vie. À leur retour de l'exil, le peuple d'Israël avait commencé de manière glorieuse la restauration du temple, mais pour certaines raisons, ils ont redirigé leur attention vers d'autres besoins. Ainsi, les leaders du peuple, à savoir le gouverneur Zorobabel et le grand prêtre Josué, semblent ne plus voir l'urgence dans la restauration de la maison du Seigneur. Mais malgré tout, ils ont pu construire leur propre maison. C'est ainsi que le Seigneur envoya le prophète Agée questionner leurs priorités. N'est-ce pas le Seigneur qui vous a fait sortir de l'exil? N'est-ce pas lui qui donne la force pour travailler? N'est-ce pas lui qui vous aide dans les besoins et difficultés? Si oui, pourquoi abandonner sa maison? Chers frères et sœurs, je crois que le prophète s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui. Plusieurs ont perdu leur sens de priorité dans la vie. On a vu des gens qui étaient très engagés à l'église, tout en priant Dieu de leur accorder ceci ou cela, boulot, mari, femme, enfant, etc. Mais aussitôt leurs prières exaucées, on ne les voit plus. Si tu les rencontres enfin, ils te donneront toutes sortes d'excuses. « Oh, c'est mon boulot, ça devient très dur, mon père. Oh, c'est mon mari, je dois l'aider à faire ceci. Oh, c'est mon enfant, ça devient une grande charge. » Malheureusement, on ne se souvient plus facilement que tout ce qui constitue aujourd'hui notre priorité nous sont donnés par le Seigneur. Chers amis, Dieu nous rappelle aujourd'hui qu'il doit être notre priorité dans la vie. Car nous ne pouvons rien faire sans lui, et seul lui pourra donner un sens à notre vie. Nous pouvons courir pour les choses de ce monde, mais ils ne nous aideront pas à accomplir notre être. C'est ce que Dieu exprime à travers le prophète Agée en ces termes, je cite, « Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être altéré. Vous vous habillez mais sans avoir chaud, et l'ouvrier qui gagne son salaire n'a pour le maître qu'une bourse trouée. » Fin de citation. Saint Augustin pourrait bien résumer ses propos en disant, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Chers amis, rappelons-nous que tout passera sauf Dieu. Dieu doit être alors notre priorité dans la vie.
c'est parce que Jean le Baptiste et Élie ont donné la priorité à leur relation avec le Seigneur qu'il demeure vivant dans les pensées d'Hérode, qui, en voyant les bonnes œuvres de Jésus, pense qu'ils sont ressuscités, nous dit l'évangile de ce jour. C'est aussi parce que Saint Pâtre Pio, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, a mis Dieu au centre de sa vie que Dieu fit plusieurs miracles à travers lui même de son vivant. Et jusqu'à aujourd'hui, il demeure toujours dans nos pensées. Oui, chers frères et sœurs, c'est bien en accordant la priorité à ce temple de Dieu que nous constituons, à travers notre relation avec le Seigneur et à travers nos bonnes actions, que nous resterons éternels sur terre comme au ciel. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.